Le principe, en fait, c'est qu'on a un système optique qui permet de faire la détection du, laser, du drone, qui permet de faire le suivi du drone, la poursuite, et ensuite, une fois que la poursuite est faite, de pouvoir focaliser le laser sur le drone et pouvoir le détruire. La lutte anti-drone est une priorité, bien sûr, pour le ministère des Armées, mais qui est une priorité qui intéresse l'État. Toute concentration humaine peut être une cible pour un drone, mais aussi centrales nucléaires, de grands aéroports. Bref, il y a de multiples points qui peuvent intéresser un adversaire et qui peuvent être ciblés par des attaques de drones.